Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur l'épisode 2. Starbound. Non, c'est Elite Dangerous Horizon. Donc on va retourner dans la carte de la galaxie simplement. On va aller regarder, donc j'ai envie de voir dans les différents. Dans les différents critères. Gouvernement, alliance, type, économie, spectra, données, cartographique, local, bande de données commerciales. C'est pas trop ça qui m'intéresserait. Ah, il y aurait pas trop ce qui. Les constellations. Oh, les constellations, ça peut être joli. Alors voilà où nous sommes, chers amis. Hein. Waouh. Elephant Trunks Nebula. Ça pourrait être intéressant là-dedans. Barnard's Loop. On pourrait entamer un gros voyage, remarque. Flame Nebula, Horsehead Dark Region. Alors ça va être à des milliers d'années-lumière. Alors comme vous voyez, j'essaie de m'en rapprocher, c'est pas facile. Hein. Y a-t-il quelque chose dans le coin? Apparemment non. Hein. En tout cas, ça n'a pas dû être exploré des masses. On pourrait partir dans cette direction au final. Attendez. On pourrait faire de la vieille exploration de la mort. Là, il n'y a plus rien par là, là. Hop. Si je demande à ce qu'on aille par là. Hop. Mettons-nous plus ou moins à niveau. Par rapport à notre vaisseau à nous. Si je demande à ce qu'on aille à Yumasté, là. Elle a l'air cool, celle-là. Elle est à combien? Elle est pas si loin. Bah tiens, on va y aller, chers amis. Hop. On va y aller. On va aller chercher des zones de conflit dans cette direction, donc. Hop. Et on va aller voir ce qu'on va y trouver, tout simplement. Ça peut être sympa, ça. Aller dans une zone plus ou moins vide. Non explorée. Ça peut être intéressant, ça. Surtout qu'apparemment dans l'horizon il y aura aussi donc des aliens, donc potentiellement du entre guillemets du PVE supplémentaire. Donc partir dans des zones inconnues pourrait être intéressant. Je ne sais pas, peut-être que je dis des conneries hein, mais. Wow. On se calme. Alors en plus j'ai l'impression que mon. Non, ça a l'air d'être bien. On y va. Si j'ai l'impression qu'il tourne un petit peu, alors attendez. Hop. Alors ça va être lequel le câble? Ça va être celui-là normalement. Voilà. Et normalement là c'est mieux. Parfait. On y va. On a de quoi faire. Alors on a combien de sauts à faire pour arriver jusque là-bas? 15 sauts. Bah, écoutez, c'est parti. Un petit peu de. D'aventure, littéralement. J'ai une heure à. Ouais, j'ai bien une heure et demie à faire là actuellement de Elite Dangerous. 4, 3, 2, 1, engage. Voilà, hop. Je setup le nom de. L'épisode, entre guillemets. Qui va être plutôt un nom de. Peut-être pas de session, mais peut-être plus. De saison hein, entre guillemets. Récupérons un petit peu. Hardy Hubs, d'extraction. Il n'y a pas de zone de conflit? Non. Hop, je récupère quand même mon détecteur de découverte. Hop, c'est pas grave, ça va nous faire quelques sous d'exploration entre guillemets. Aucun élément. Bon, ok, pourquoi pas. Écoute.
On y va alors, on ressaute. Ça peut être sympa, ça va nous changer un petit peu de l'univers classique. Et puis si on peut s'approcher aussi de quelque chose, donc j'ai pas forcément un vaisseau d'exploration normalement, hein, mais si on peut s'approcher de quelque chose qui soit intéressant visuellement à voir, ça peut être cool. Moi ça m'intéresse. J'ai envie de voir. Ah, excusez-moi, je vais éternuer un vieux coup. Voilà, re, chers amis, excusez-moi. Alors, petit coup de fuel scoop. Aucun objet, d'accord. Est-ce qu'on a une zone de conflit? Faible intensité, il m'en faudrait une plus grosse qu'une faible. Parce que faible intensité, ça va pas être très très intéressant pour nous, monétairement parlant. On y va. Hop. Donc voilà, ça peut être intéressant. Moi, je trouve ça pas mal. Au final, ça nous change. On n'en a pas vraiment fait de l'exploration, vraiment, de la vraie exploration à longue distance. Maintenant, là, on fonce dans une planète. Techniquement, alors voilà, il se passe plusieurs choses. Il y a plusieurs choix, chers amis. Plusieurs idées. Comme quoi, si on passe au-dessus de la vitesse lumière, on va forcément mourir. Pourquoi? Parce qu'on ne verra pas l'objet, en fait, arriver. Et il y a autant de chances qu'il n'y ait pas d'objet qu'il n'y en ait. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que potentiellement, dans un espace, si on savait que l'espace était potentiellement vide, on aurait donc très peu de chances de tomber sur un objet. Mais on sait qu'il y a des milliers et des milliers d'astres, de soleils, de planètes. Enfin, d'étoiles de planètes, pardon. Donc techniquement, il y a plus de chances que, enfin dans leur idée à eux, il y a plus de chances qu'on se bouffe quelque chose dans la gueule qu'on ne se bouffe rien. Donc forcément, on va mourir. Enfin, qu'on passera à la vitesse lumière. Enfin bon. Intéressant. Je trouve que c'est un débat intéressant. Alors, est-ce qu'on a quelque chose dans le coin? Ok, c'est cool. Salut les gens. On n'a vraiment pas de bol sur ce début d'aventure, dis donc. Alors, ce qui risque d'être drôle aussi, c'est le chemin de retour. Je dis ça, je dis rien. Mais si on passe, si on fait une cinquantaine de sauts pour arriver nulle part, ça va être mignon. Moi je dis ça, hein. C'est... Hop. Mais bon, ça peut être cool. Alors. Fuel scooping. Ok, l'autre objet découvert, génial. Faisons le plein un peu plus vite que ça, merci. Fuel scooping. Oui, elle est masquée pour le moment, hein, je précise. Hein. Voilà, c'est ce que je disais. Hop. Parfait. On n'a pas de bol jusque là. Hein. Ça va venir. Hein. On n'a fait que 4 sauts. 4, 3, 2, 1, engage. Alors. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Fuel scooping. Pas grand-chose, hein. Ok. Eh ben, on fuel scooping complete. Hop. Forcément. Ah là là, si mon meilleur ami regarde cette vidéo, il comprendra pourquoi je dis ça. C'est parti. Hop, un instant. Je vais juste faire une petite chose. Voilà. Voilà. Hop, on y retourne. Frameship drive charging. C'est quand même long à charger, je suis désolé, c'était juste personnel. Hop, hop, et hop. 4, 3, 2, 1, engage.
parti. Bon. Est-ce qu'on va finir par trouver quelque chose d'intéressant sur cette petite route? Alors. Fuel scooping. Bien, c'est vrai, faut que je vais aller jusqu'au bout, sinon je vais pas y arriver. Rien du tout à découvrir supplémentaire. Ok, c'est parti. On se balade. Mechukos. C'est Mechukos, Make. Alors j'ai cherché juste un petit peu avant cette vidéo, chers amis, voir s'il y avait des gens qui avaient mis des vidéos sur des, enfin en tout cas des adresses plutôt des vidéos. J'ai fini par regarder sur YouTube vite fait. Sur des planètes un petit peu particulières sur lesquelles on pourrait atterrir. Et même en changeant quelques tags, je n'ai pas réussi à trouver donc le sujet de ma recherche. J'ai vu en fait des planètes où il y avait deux planètes très proches qu'on pouvait voir tourner l'une autour de l'autre. Je trouvais ça intéressant à voir, mais j'ai regardé donc le temps de la vidéo et la vitesse à laquelle il la faisait tourner. Et en gros, il était à 10 000 secondes par seconde. Je sais pas si vous voyez le truc. Du coup, on verra rien en fait à vue d'œil, nous. Enfin bon. Ah! Mauvaise habitude ça, hein. Hop! Aucun élément, génial. Sécurité, sécurité, sécurité. Et rien d'autre, pourquoi pas. Allons-y. Hop! C'est pas grave, on trouvera. Hein. On finira bien par trouver, normalement. Hop! Ready to engage. Alors. 4, 3, 2, 1, engage. C'est parti. 3, 2, 1, engage. Pow. Il est quand même cool ce vaisseau. Hein. Hop. C'est parti. Fuel scooping. Ah, on a découvert un objet. Mais rien d'autre. Et. Parfait. Hop. C'est parti. Jusque-là, ça se passe plutôt bien. On trouve pas ce qui nous intéresse. Mais on n'a pas trop de problèmes non plus. C'est vraiment dommage qu'on trouve pas ce qui m'intéresse en fait dans l'histoire. Mais bon, c'est comme ça, hein. On peut rien y faire. Et malheureusement, on trouve pas d'informations non plus très très intéressantes sur les systèmes. Parce que là, c'est du déplacement qui n'est pas rentable. Heureusement, je ne paye pas l'essence. Mais bon, c'est comme ça. Alors. Site d'extraction de ressources dangereux. Déjà, de base, ça c'est intéressant. Pourquoi pas? Non, on va aller faire un tour, tiens. On va aller voir si ça donne un site d'extraction de ressources dangereux. Ça peut être intéressant, qui sait. Du coup, on prépare l'armement. Voilà. Et on y va. 580 SL, ça fait peut-être beaucoup. Non, non, ça va le faire. Bon, ça devrait le faire. Juste pour savoir, est-ce que juste à côté il y a un truc? Ouais, non, 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 on n'y va pas. Pourquoi? Parce que juste à côté il n'y a pas le. À côté, il n'y a pas l'endroit où nous souhaitons aller. Ah mince! Voilà! Bah merde! Ils m'ont retiré ma zone de. Non, là voilà.
Voilà. Allez, on bouge. On va y arriver. Il y avait, en fait, comme il n'y a pas de station à côté, j'aurais dû faire encore plusieurs secondes lumière avant de pouvoir tomber sur la station qui permettrait de récupérer mon argent. Donc j'ai pas trouvé ça très intéressant sur le point de vue rentabilité. Alors, je vais baisser un petit peu ça. Pourquoi j'arrive pas à lancer mon... Ah oui, c'est parce que j'ai changé d'armement. Alors attendez, hop, faut que je passe par-dessus le... Hop. Ah, 8 éléments, alors ça peut être intéressant. Hop. Que dire. C'est pas intéressant des masses. Frameshift drive charging. Wouhou! Est-ce que je vais avoir le temps? Non! Je vais pas l'avoir! Ah bah, j'étais pas à fond, donc j'ai eu le temps, techniquement. Excusez-moi, j'essaie de me retirer depuis tout à l'heure, mais non, c'est pas facile. Bon bah, zone, moment d'exploration alors, écoutez. Hop. Boum. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Fuel scooping. Un élément découvert, pourquoi pas. Ah non, 50 éléments astronomiques découverts. Intéressant ça. Fuel scooping complete. Un grand système. Ouais, un grand système littéralement. Ça va rapporter du fric normalement. Bon, normalement il faudrait que j'aille scanner chacune des planètes. Flemme. La suite. Alors. Three, four, three, two, one, engage. Po! Hop, commence à devenir une habitude. Fuel scooping. On voit rien là-dedans, ouais. Je m'en doute un petit peu à vrai dire. Friendship. On va augmenter la fréquence de nos sauts, hein, tant pis. Je préfère peut-être aller un peu plus vite, quitte à risquer un peu moins d'essence, mais tant pis. Hein. 2, 1, engage. Et je pense qu'on sera plus à une centaine de sauts qu'à une cinquantaine. Personnellement, je pense que c'est plus. Fuel scooping. Dans ce genre de valeur qu'on va être. Fuel scooping complete. Ah. Fuel scoop disengaged. Destination cible masquée. Frameshift drive charging. Hop. C'est parti. Allons-y. J'aurais peut-être dû prendre la SP Explorer. Hein. Écoutez, tant pis. Hein. Four, three, two, une très très bonne one, capacité de saut. Engage. Hop, un petit peu de carburant, tout en nous dirigeant vers la potentielle sortie. Rien du tout. Rien du tout. C'est parti. Frameshift drive charging. Alors, on va réussir à atteindre Yuma Stay.
You must stay, vous dites comme ça, comme vous voulez. Alors. Fuel scooping. Forcément. Fuel scooping complete. Sécurité faible, donc il n'y a rien. Donc on va partir tout dans cette direction. Et on va aller. Hop. Dans la carte. Oui, on n'a pas fait énormément de trajets. L'objectif serait peut-être d'atteindre au-dessus en fait et de redescendre ensuite. Witchhead Nebula, ça peut être intéressant. What? Pourquoi il n'y a plus rien à côté? Ou presque. On peut pas rejoindre peut-être? Est-ce qu'on est bloqué? Est-ce que j'aurais atteint la limite du jeu? Ah non, je suis con. Je suis complètement con. C'est juste qu'il n'y a rien dans ce système en fait, c'est ça? Potentiellement. Si je devais par exemple avancer plus par là. Et aller à... je sais pas. Ici, tiens. Est-ce que dans les deux prochaines étoiles, je trouverai quelque chose? Est-ce que vous êtes au courant de ça, chers amis? Dites-moi tout. Est-ce que vous avez des idées de ce qui va se passer si je passe plus loin? Moi personnellement je ne le sais pas. Est-ce qu'on va trouver des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver peut-être? Est-ce que ça n'a pas été exploré tout simplement? Est-ce qu'on n'a aucune donnée parce qu'il n'y en a rien? Ou est-ce que c'est parce que ça n'a pas été exploré? Voilà, donc je scanne. Deux objets astronomiques. On ne trouve apparemment rien. Je refais une deuxième, on va bien voir. Alors, petite découverte. Fuel scooping. 13 objets astronomiques. Et apparemment pas grand chose. Hein. C'est ça qui m'intrigue. Fuel scooping complete. Donc là, si je repars par exemple dans la carte de la galaxie, on voit tout de suite qu'il n'y a rien du tout. Fuel scoop disengaged. Il n'y a rien du tout. Par exemple ici, ça fait 760 SL. Population 0, vous voyez? Donc en fait, il n'y a rien. Là où je vais, il n'y a rien. Là, il y a un petit peu de lumière, là, ici. C'est une nébuleuse. Et il n'y a strictement rien, hein. Une fois de plus. Là, on arrive sur des zones où il y a des choses. Est-ce que les... alors voilà. Donc il y a encore des systèmes...
On peut voir Ross 931. Qui n'est pas si loin au final. Où ils ne sont pas. Où il n'y a pas de powerplay. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait, nous? Qu'est-ce qu'on voudrait? Qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait... du jaune. Trône. Bah tiens, c'est là qu'on va aller. On va s'y déplacer petit à petit, hein, tant pis. On a combien de soins à y faire? 16, on va en faire 5 par 5. Hop. Et je pense que d'ici à peu près 5 sauts, on va essayer de se quitter pour cet épisode. Il ne se sera pas passé grand-chose, on aura appris des choses plutôt sur l'espace en lui-même. Si vous avez des idées, si vous avez des choses à me faire faire, dites-le moi. Si vous voulez me corriger sur ce que je dis, il m'arrive de me tromper, hein. Je suis loin d'être de connaître énormément l'univers des Libanos et les capacités du jeu en lui-même. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez à me corriger, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires encore une fois. Même quitte à venir me le dire moi-même, directement à moi-même dans Steam. Donc oui, voilà, n'hésitez absolument pas. Hop. Et nous, on va se diriger là-bas. On verra bien. Juste... Oula. C'est pas ce que je voulais faire. Hop, parfait. Je voulais juste vérifier qu'il y avait rien. Non, il n'y a rien, hein. On va faire 5 sauts par 5 sauts. On y va. On verra bien ce que ça va donner après tout. Alors. Oh ! Bon. Ouais, bon, c'est un petit peu une certaine déception pour moi quand même, hein, je dois l'admettre. Enfin. Peut-être justement qu'avec l'arrivée d'aliens en règle générale, on pourra espérer avoir des colonies aliens. Je ne sais pas du tout, je n'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, c'est assez vide. Au final. Attendez, un univers beaucoup plus intéressant et au final, non. Non, c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Grosse déception sur ce sujet. Vraiment une grosse déception. J'admets que là je suis un petit peu... Ouais, je suis sceptique. Enfin bon, c'est peut-être comme ça. Hein. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin? Non. Alors, on continue. Hop. Au final, sur les 1 an de jeu, enfin, on a l'impression que du coup que l'univers ne s'est pas étendu du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si en fait le monde avait stagné. Je trouve. Donc il manque peut-être dans le jeu, c'est la possibilité simplement de découvrir pour une puissance un système. Et le fait que vendre la donnée bah, puisse déclencher par exemple l'apparition au bout de 1 mois ou deux de stations en construction, etc. etc. Et par exemple au bout d'un an, ces stations seraient constructives, ça aurait été intelligent de mettre ça en œuvre dès le début du jeu peut-être. Bon après malheureusement on n'a pas... Ça, remarque, ça donnerait des choses un peu plus intéressantes à faire au niveau du jeu, comme par exemple protéger les constructions. Protéger la construction si la protection de la commande de la construction n'est pas assurée dans la journée, ben on reculera d'une journée
la finalité de la construction. Bon, j'aurais trouvé ça intéressant. Ah bon, ce jeu est encore... C'est, encore une fois, c'est un jeu bac à sable, hein, mais il est encore en développement, on a bien vu avec Horizon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à être patient. Hein. Tout simplement. C'est parti. Mais oui, j'admets que ce soit une déception. Là, pour le coup, je suis assez déçu, j'avoue. C'est moyen. C'est moyen. Je veux dire, j'ai pas fait énormément de sauts dans une direction, et pour autant... Donc je sais pas, est-ce que j'ai mal fait quelque chose? N'hésitez vraiment pas à me le dire, chers amis. Peut-être que je suis tenté sur une commande, enfin sur un, pas sur une commande, mais sur une direction plutôt. Hop. Et puis écoutez, nous on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On fera le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'aventure dans l'espace dans Elite Dangerous, la version Horizon. Enfin, dans l'extension Horizon. Allez, à plus les gens!